remercier pour Darwin. Oh mon cœur, qu'est-ce que t'es chou. Maman, je t'ai offert ces fleurs parce que je voudrais vraiment te remercier pour Darwin. Parce que je comprends maintenant, c'est un animal de compagnie en fait. Merci maman. Oh, oh mon cœur, qu'est-ce que t'es chou. Oh, je suis contente que Darwin te plaise. Moi aussi je l'adore, hein. C'est une super addition à la famille. Oui. Oh, c'est vraiment génial. Merci Verity. Je vais ranger ces magnifiques fleurs. D'accord, à tout à l'heure. Oh, ma fille est vraiment géniale. Oh. Superbe. Absolument magnifique. Ces fleurs me rappellent quelque chose. De nettoyer le jardin. Oh, quel bazar. Oh là là. Toujours des herbes partout. Oh. C'est pas très joli là en fait. Attends. On va pousser un peu par là. C'est mieux comme ça? Bah non. Encore un peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bah non. Encore un peu. Mais pas trop vite, hein. Il faut respecter la vitesse sur la route. Mais monsieur, s'il vous plaît, avancez, avancez. Oh, il est lent comme un escargot. Allez, c'est urgent. Ok, bon, je vais le dépasser. Est-ce que c'est à gauche ou bien c'est à droite? À gauche, oui, oui, à gauche. Je suis sûre que c'était à gauche. D'autres races. Bon, il faut que je trouve un poisson. Je peux pas quitter ici sans poisson. Lequel peut ressembler à Darwin? Oh, oh là là, je n'ai aucune idée. Ils sont très mignons, mais il me faut un qui ressemble vraiment à Darwin. La vendeuse
m'a conseillé de venir regarder ici à l'extérieur. Mais ces poissons rouges sont bien trop grands. C'est pas du tout comme Darwin. Et je pense pas que ça va aller dans l'aquarium. Oh, oh. Ils sont magnifiques, mais franchement, c'est pas possible. On ne peut pas prendre cela. Ok, j'ai quand même trouvé un autre poisson, mais il ne ressemble pas du tout à Darwin. Oh là là, j'espère que Verity ne va pas remarquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, ça peut passer, non? On peut dire que, je ne sais pas, Darwin, il change de couleur de temps en temps, hein? Ça peut aller, ça? Coucou Darwin 2, nous sommes arrivés à la maison. Donc je vais préparer ton aquarium et te mettre à l'intérieur. Est-ce que ça va? Oui, je pense que tu vas bien. Mais ça irait beaucoup mieux bientôt. Je vais chercher l'aquarium. Tu restes là, hein? Bouge pas. Et ce château? Ah, je vais le mettre juste là. Superbe. Bon, j'espère que Verity ne va pas vraiment voir la différence. Darwin numéro 2, t'es où? Ah, te voilà. Oui, oui. Tu es arrivée. On entre? Bon, je dois te garder dans le sachet pendant 30 minutes. J'espère que Verity a toujours des courses à faire. Verity? Oui, maman. Coucou, Monka. T'es où, là? Je suis en route. Ah, t'es déjà en route? Tu rentres à la maison? Oui, oui, maman. Oui, oui. Ah, superbe. J'espère que tu t'es bien rappelé d'acheter 4 boîtes de nourriture de chat pour Pichoun. Oh, non. Oh, oui, mon cœur. Il faut retourner dans les magasins pour acheter ça avant de rentrer à la maison. T'inquiète, ça va te prendre peut-être 30 minutes de plus. D'accord. À tout à l'heure. Je t'adore. J'ai gagné du temps. Ah, il faut que je prenne de la nourriture pour Pichoun. Darwin numéro 2, ça fait 30 minutes. Maintenant, tu vas entrer dans l'aquarium. Libéré! Oh. Tu fais beaucoup de courses. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai l'impression que l'aquarium a changé de place, oui, oui. Mais j'ai rêve. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis juste allée faire les courses et tout a changé. L'aquarium est plus large. Il y a des décorations différentes, il me semble. Et ça là, c'est pas du tout Darwin, c'est un autre poisson. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est trop bizarre tout ça. Mon cœur, tu es de retour. Oui maman, tu pourrais m'expliquer ce qui se passe avec l'aquarium? Ah, il y a rien, j'ai juste allumé la lumière. Darwin! Non, il me semble que l'aquarium est plus large. Tu trouves? Oui maman. Ah bah non Verity, l'aquarium n'est pas du tout plus large. Et aussi j'ai l'impression qu'il y a des décorations supplémentaires. Non. Si, le château, le coffre trésor et le pont. Ah bon? Je n'avais pas remarqué moi. Et la dernière chose, la plus bizarre. Qu'est-ce qui se passe avec ce poisson? Darwin est un poisson rouge qui est orange. Et ce poisson n'est pas du tout Darwin. Mais si, Verity, tu te trompes. Tu sais, la lumière a un peu changé. Darwin, il fait toujours ça. Depuis qu'on l'a eu, il change toujours de couleur, un peu comme ça. Oh, mais c'est pas grave. C'est la première fois que t'as un poisson rouge, donc tu ne sais pas tout ce qu'ils font. Fais-moi confiance. Rien n'a changé. Rien du tout. Ok? C'est bien Darwin. C'est bien l'aquarium d'avant. Et les accessoires, pour ça, je sais pas. Mais tu te trompes. Fais-moi confiance, mon cœur. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Donc reste là, j'arrive. Oh non, je pense pas que ça marche. Comment je vais lui dire la vérité? Chelsea, c'est ta dernière chance. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon. Est-ce que je dis la vérité? Pas vérité, pas. Rien du tout, Verity.
Darwin va très bien. Tu stresses pour rien. Fais-moi confiance. Alors c'est qui ça? Je veux dire feu Darwin. Mais je comprends plus rien. C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé, Verity? Qui est-ce, ce poisson? Ce n'est pas Darwin, puisque Darwin est allé avec moi aux courses. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ces fleurs me rappellent quelque chose. Je dois nettoyer le jardin. Mais où est Chelsea? Ah, elle nettoie le jardin. Heureusement, elle ne m'a pas remarqué. Allez, je me dépêche. Oh, je dois aller faire mes courses, mais il me manque pas quelque chose. Ah oui, Darwin, tu veux pas aller avec moi? Je suis sûre que tu veux venir avec moi et aller faire les courses. Il veut pas aller dans l'épuisette, Darwin. Darwin, tu restes là. Reste là. Oh. T'inquiète pas, Darwin, je vais pas te faire de mal. Voilà, voilà, voilà. Super, il est dans le sac. Les amis, si vous adorez les poissons rouges comme moi, laissez un méga pouce bleu maintenant. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. T'es content, hein? Allez, on va aux courses. Regarde, Darwin, il y a des nouveaux Bounty. Regarde, Darwin, dedans, il y a de la noix de coco. Ça a l'air bon, non? Les amis, comme vous voyez, aucun poisson a été mis en danger. Darwin était avec moi aux courses. Et maman pensait que Darwin était tombé par terre. Mais non, 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 non. J'avais pris Darwin. Oh, tu m'as eu, Verity. Tu m'as eu. Mais franchement, je suis désolée. J'aurais dû te dire la vérité. Dès le départ, il ne faut pas mentir. Parce que mentir, c'est jamais bien. Allez, Darwin, tu vas rejoindre ton ami dans ton nouvel aquarium. Allez, Darwin, il faut sortir. Darwin, Darwin. Au revoir, les copains et les copines. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. À la prochaine fois, les amis. Gros bisous. Mouah. Oh.